Aujourd'hui a été une journée très productive pour John et moi. Donc, on est un dimanche. Donc, ce matin, on a été à l'église, donc à l'église à distance. John a eu sa réunion avec les jeunes de son église, sa réunion Zoom, sur Zoom. Puis, on a aussi shooté une vidéo qu'on a mise sur les ondes sur notre page YouTube. Donc, on va juste vous montrer quelques petits extraits ici et là. Donc, on s'est assuré de faire les photos et les vidéos la veille. Donc ici, toujours la veille, je suis en train de préparer mes commandes à faire livrer la journée, à faire livrer cette journée. Donc c'est mes commandes de la fin de semaine. Donc oui, on a une boutique en ligne, on n'en a pas parlé à date, mais on va en parler bientôt dans une prochaine vidéo. Donc là, tout est emballé, prêt à être déposé au bureau de poste. Donc ici, vous voyez nos quatre enfants. Donc quand on peut, on s'entraide beaucoup. Donc c'est toujours moi, Jean. Je suis avec les enfants. Je suis en train de les faire déjeuner. Tandis que June prépare sa réunion Zoom. On leur a commandé leur petit déjeuner préféré. Donc ils sont tellement contents. Étant donné qu'on ne peut pas les emmener présentement au resto, on emmène le resto à la maison. Et oui, donc on s'entraide à chaque fois qu'on peut. Donc après le petit déjeuner, c'est la réunion Zoom. Donc la réunion Zoom, c'est pour les enfants. J'anime une petite réunion avec les enfants deux fois par mois sur Zoom. Donc c'est vraiment un moment édifiant pour les enfants. Et ma petite cocotte adore ça. Donc on a beaucoup de plaisir. Donc, on se prépare, on s'installe, on s'habille comme on faisait d'habitude pour quand on allait à l'église. Donc, elle est toute habillée. Donc, pour sa petite réunion, elle voit ses amis, ils échangent. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit, un moment privilégié et on adore ça. Elle aime beaucoup ça, ma petite cocotte. Et tout de suite après la rencontre, Jean et moi, on s'est préparé car on avait une entrevue en après-midi. Donc là, on est en route pour aller rencontrer la belle Nadia. On a un podcast aujourd'hui, on passe dans son podcast aujourd'hui, donc on a hâte. Malheureusement, le trafic n'a pas arrêté et on est bloqué dans le trafic. C'est vraiment dommage, mais on est en chemin. On a hâte de la rencontrer. Aujourd'hui, c'est une journée très productive pour John et moi. On est dimanche. On a eu le temps d'uploader la vidéo. Là, on est chez Starbucks. John et moi, on est en train de se prendre un café. Donc, on vient de rencontrer la belle Nadia. Et on a vraiment aimé l'expérience. On a tout de suite connecté avec elle. Donc, c'est une femme vraiment inspirante. On est tellement contente qu'elle nous ait contactés pour son podcast. Donc, on a eu un très beau moment avec elle. On a fait connaissance. Oui, on a parlé des difficultés qu'on avait dans notre milieu. Quand on est une femme et qu'on essaie d'avoir une entreprise. Donc, ça nous a fait beaucoup de bien de connecter,
de voir qu'on passait à travers les mêmes obstacles. Oui. Donc, on a très hâte que vous voyez le podcast. Ça s'en vient bientôt. On n'a pas encore la date officielle, mais c'est sûr qu'on va vous l'annoncer sur notre page Instagram. Donc, on va vous tenir au courant. Donc, effectivement, on parlait des difficultés qu'on avait rencontrées, nous, en tant que femmes noires, dans le milieu professionnel. Donc, c'est ça, comme Gina dit, ça fait plaisir de pouvoir en parler à quelqu'un. On en parlait. Voilà. Merci. Bonne soirée. Donc, on en discutait justement. Oups. On en discutait justement avec elle. Puis, il y a quelque chose qui est arrivé au même moment. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, on a vraiment aimé l'expérience. Puis, on s'est sûr que c'est à refaire. C'est à refaire et on a hâte que vous voyez notre podcast. Donc, c'est ça. Donc, on est en route maintenant pour la maison, hein, John? Oui, on s'en va. On s'en va à la maison. On a nos cafés. Macchiato. Nos macchiato, ce sont nos cafés préférés de chez Starbucks. On a nos macchiato caramel. J'essaie de jamais trop tard pour boire du café avec les twins. Nous, on prend notre café à tout moment et je trouve que la pandémie fait bien les choses parce que le fait qu'on travaille de la maison, on peut se coucher plus tard, on se réveille plus tard que d'habitude parce qu'on sauve le temps du trajet. Mais oui. Donc là. Et la préparation aussi parce qu'on se prépare moins. Oui. Parce que des fois, on travaille même en pyjama. Donc, quand il n'y a pas de vidéo, donc même quand il y a une vidéo, on peut quand même avoir nos pyjamas personnels. Donc, là, on s'en va à la maison. On a encore deux, trois petites choses à faire avant que la journée se termine. Il est déjà 18h, mais on a eu une longue journée aujourd'hui, mais on est vraiment, vraiment contents. Satisfaits de la journée. Et grateful pour cette journée. Donc la journée a été très enrichissante, très occupée, mais quand même très productive. Oui. Là présentement, je suis à l'épicerie. Et voilà, je fais l'épicerie pour les boîtes à linge de demain. Donc il est presque 19h. C'est une grosse journée. Et voilà. Donc, je vais juste prendre deux, trois petites choses. Pas grand chose pour aujourd'hui, là. C'est juste une épicerie rapide.
Justement, on est en route pour aller sur une terrasse. Injun, on a eu une longue journée. On est fatigué, mais on voulait terminer la journée en beauté. Donc là, on s'est habillé, on s'est maquillé, on s'est fait belle. Et là, on s'en va sur une terrasse parce que, comme vous savez, on a déconfiné ici au Québec et on avait trop hâte. Donc, on est en route pour aller sur une terrasse. Donc, ça déconfinement, plus de couvre-feu. C'est la belle vie. Donc là, on s'en va sur l'une de nos terrasses préférées. Donc, on vous emmène avec nous. Là, on est sur une terrasse et on va profiter du bon temps. Alors, on a déjà 8h30, mais comme on est en été, c'est encore très bien. Donc, c'est notre première sortie post-confinement. Je pense qu'on va les compter. Première, deuxième. Mais on avait tellement hâte, donc on a déconfiné hier, mais aujourd'hui déjà, on est au resto. On a fait de la bonne nourriture. Donc, c'est dans un club. C'est la section VIP. Et voilà, il est 10h du soir, donc John et moi, non, l'éclairage, donc il est 10h du soir, John et moi, on revient de la terrasse de chez Monza. Ça fait du bien d'être à l'extérieur, ouais, ça fait beaucoup. Après 9h30, plus d'un couvre-feu, il est 10h du soir, on se sent comme des hors-la-loi, mais c'est parce qu'on a perdu l'habitude de sortir tard. Mais là, on a fini. On va rentrer à la maison. On va prendre une bonne douche. Donc, la journée n'est pas finie pour nous. On va tourner 2 autres vidéos. Donc, on y va. On se voit à la maison. Donc ça, c'est notre This is our ride for today. Donc, on aime bien cette auto-là. Oh, c'est la belle June. Hello. Alors là, on est à la maison, on s'installe à tourner quelques autres vidéos. Donc, nos fins de semaine, comme vous avez pu voir, sont pas mal très chargées. Et c'est quoi cette tenue que je porte? Léopard avec fleuris, ça n'a aucun sens. Donc, effectivement, il est tard, 23h56, donc on se prépare à tourner des vidéos. Ça n'a pas de sens, cette vie qu'on a choisie, mais on adore ça. C'est le fun, on a des semaines super chargées, des fins de semaine encore plus. Donc, c'est ça. Donc, c'était tout pour ces fins de semaine dans notre vie. Donc, on a aimé tourner ce genre de vidéo pour vous. Donc, si cela vous intéresse, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner.
à notre chaîne. Et nous, on vous dit à la prochaine.